papa en colonne. Hello à tout le monde, je vous retrouve, on est le 12, mercredi 12 juillet, si je dis pas de bêtises, je suis avec Juliette. On est en elle est en train de manger des patates froides avec des knackis, dégueulasses. Bref, c'est génial. Là on a fait une petite pause avec Lucas parce qu'on doit manger parce qu'il est 13h. Sinon, je vous ai pas trop vlogué, mais pour vous expliquer, on a fait le muséum Holocaust où genre on voyait un peu ce qui s'était passé pendant le génocide et tout. Et au moment où on a vu un arbre, on mettait un souhait et franchement c'était plutôt cool cette partie-là. Et ensuite on est parti au Sony Center, c'était hyper grand, mais en fait on avait que 30 minutes. Du coup on est parti au Starbucks et voilà. Au final on a plus sympathisé avec Ambre, donc une autre Ambre et Marilou, qui sont vraiment genre hyper sympas. Marilou elle est genre trop rentre dedans, elle est trop... Puis Ambre elle est grave douce, elle est trop sympa et en plus elle kiffe la K-pop, donc elle me fait penser à Sherazade. Voilà, si Sherazade tu vois ce vlog, hein. En fait on est resté qu'un seul jour à Berlin. Là on va à Prague, je crois qu'on reste pas longtemps aussi. Après je crois qu'on reste 2 jours, pas plus. Et là on arrive vers 16h. Je trouve qu'en fait on passe pas mal de temps dans le... On passe plus de temps dans le car que à visiter en fait. Du coup c'est grave chiant. En plus il n'y a pas de la bonne bouffe. Du coup ça c'est casse-couille, t'as vu ça. On va vous montrer ce qu'elle mange. S'il y a des parents qui viennent, ne regardez pas cette merde. Qu'est-ce qu'elle mange? C'est quoi ça? Des patates dégueulasses. Avec des knackis. Est-ce que ça a assaisonné? Non, même pas. Ah, dégueulasse. Bref, on ne se plaint pas. Donc du coup après c'est Prague et ensuite je crois que c'est Vienne. Vienne, ok. Bref, je vous parle à fond parce que je sais que c'est pas mal chiant qu'il me met devant les autres. Il y a que ça à dire. Sinon n'hésitez surtout pas à me retrouver sur Wattpad parce que du coup je fais un journal de bord qui est lié à tous les vlogs que vous allez voir. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et du coup n'hésitez pas à aller voir, à aller checker ça, comme ça vous en saurez un peu plus sur le séjour. Voilà, je vous aime et je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve. Genre, il doit être presque 19h, on a pris nos douches et là il pleut un truc de malade. Bref, voici notre tente, c'est un joyeux bordel. Du coup, comme je vous ai dit sur Wattpad, bref, il faut vraiment suivre Wattpad sinon vous ne suivrez pas tout. Juliette va tout à l'heure à l'hôpital parce que pendant la veille d'hier, on faisait les présentations, on a fait une tempête et du coup, à un moment, elle est tombée et son genou a fait crrr. Et d'ailleurs, du coup, maintenant elle a super mal, du coup, faut qu'elle aille aux urgences. Je pense que ça va prendre pas mal de temps. Sinon, pour l'instant, c'est plutôt cool. J'ai vraiment faim. Il est que 18h22. Oh putain, il est que 18h22. Putain, on va pas manger avant 21h22h. Ça va être hyper long. Demain, je crois qu'on fait visite de Prague. On y va en transport en commun. Et là, vous entendez qu'il pleut. Il y aura de l'orage. Ouais, il y aura de l'orage. Il va pleuvoir jusqu'à 22h. Donc, grosse dédicace à Chloé. Tu me manques de fou, Manem. Et bref, je vous retrouve plus tard. Et il voit tout le monde. On est jeudi 12. Ouais. Je dis pas de conneries. Jeudi 12. Et aujourd'hui, on fait visite de Prague. On est arrivé 7. Hier 16h, c'était plutôt cool. Il pleuvait un truc de ouf. J'ai appelé Chloé, ma vie. Quoi d'autre? On a fait une espèce de forum, on disait ce qu'on voulait faire et tout. Et sinon, on va faire plein de visites et je vous emmène avec moi. Ça va être trop cool. Let's go. D'ailleurs, on est en train de passer dans les rues, on est passé l'année dernière quand on était venu à Prague et là on est devant un palais. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais bref, en tout cas, c'est hyper beau.
Et si les gens savent ce que c'est, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et je vous laisse avec encore la suite, let's go. Là, on va direction le Palais Royal pour pouvoir visiter. Et comme il y a une espèce de trou de cul, j'avais complètement zappé que je l'avais visité l'année dernière. Et il y avait soit soit le Palais Royal, soit l'horlogerie. Bref, on verra comment ça se passe. Mais bon, moi j'ai déjà visité, c'était bof. Sans plus. On se retrouve dans un prochain vlog.